Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux encore nous rejoindre sans problème. Il y a deux points à faire. Excuse-moi, je vois que j'ai de la réflexion à des choses. Le soleil qui se reflète sur mon visage. Bref, c'est pas grave. Merci. Merci Seigneur parce que ta parole elle est tellement puissante, tellement vraie Seigneur, vraiment merci parce que chaque jour tu nous parles personnellement. Merci encore pour tous ceux qui sont là avec moi, qu'on puisse tous garder notre motivation Seigneur et qu'on puisse pouvoir continuer Seigneur à comprendre ta parole parce que tu nous fais du bien. Merci encore pour tout ce que tu feras au nom de Jésus, amen. Alors on continue. Je pense qu'on va finir le livre de Néhémie aujourd'hui, donc Néhémie 13. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'ammonite ni le moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites pour leur donner du pain et de l'eau. Au contraire, ils avaient soudoyé Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ce dernier une grande salle où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les lévites, les musiciens et les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. À la fin de l'année, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé et je retournai à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia, puis je donnai ordre de procéder au rite de purification dans les salles et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parents des Lévites ne leur avaient pas été remises et que les Lévites étaient et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple et je leur dis pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon. Je rassemblai les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors, tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai l'intendance des magasins au prêtre Shelemia, à Tsadok, spécialiste de la loi, et à Pedaya, l'un des Lévites. Je leur donnai pour les assister Hanan, fils de Zakur, petit-fils de Matania, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs collègues. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton peuple et pour son culte. À la même époque, je remarquai en Juda des gens qui, un jour de sabbat, foulaient du raisin au pressoir, d'autres qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches le jour où ils vendaient leurs marchandises. Il y avait aussi des gens de Tyr qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils y faisaient venir du poisson de toutes sortes et toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux Judéens et à Jérusalem le jour du sabbat. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis « Comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal et profaner aussi le jour du sabbat ?» C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, par votre manque de respect du jour du sabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. Puis je donnai ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit avant le début du jour du sabbat et j'interdis de les rouvrir avant que ce jour soit passé. Je postai quelques-uns de mes serviteurs à proximité des portes pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du sabbat. Alors les commerçants et les marchands de toutes sortes de produits passèrent plusieurs fois la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les avertis en ces termes.
Pourquoi établissez-vous votre campement devant la muraille? Si vous recommencez, je vous ferai arrêter. Depuis ce jour-là, ils cessèrent de venir pendant le jour du sabbat. Puis j'ordonnai aux Lévites d'accomplir les rites de purification et de venir surveiller les portes pour que le caractère sacré du jour du sabbat soit respecté. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. À cette même époque, je constatais également que des Judéens avaient épousé des femmes ashdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlait l'ashdonien et aucun ne savait la langue des Juifs. Ils ne connaissaient que celle de tel ou tel peuple. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je bâtis même quelques-uns d'entre eux et je leur arrachai les cheveux, puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à des fils étrangers et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous-même. » N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché, lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations païennes, qui était aimé de son Dieu et que Dieu avait établi roi sur tout Israël, et pourtant même lui fut entraîné dans le péché par les femmes étrangères. Faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères? L'un des fils de Yoyada et petit-fils d'Eliashib, le grand prêtre, était devenu le gendre de Sambalat, le Horonite. C'est pourquoi je le chassais loin de moi. Souviens-toi de ces gens, ô mon Dieu, qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et ton alliance avec les prêtres et les lévites. Je les purifiais donc de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements que devaient observer les prêtres et les lévites, chacun dans son service. Je rétablis aussi les offrandes de bois à fournir aux dates prescrites et celles des premiers produits sur la terre. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Voilà, pour aujourd'hui, on va arrêter un petit peu plus tôt parce que demain, ça va être le livre d'Esther. Donc, sois au rendez-vous dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.